moussaillon. Salut tout le monde, ça va? Moi ça va bien. Nouvel épisode de Feed the Beast, Dire Wolf, avec mon beau chapeau de pirate. Non mais je suis pas joli un peu. Regardez-moi ça, regardez-moi la face. Ah, je suis de toute beauté. J'ai trouvé un bateau de pirate. Je me promenais alentour, puis j'ai trouvé ça dans l'eau. Il y avait rien d'intéressant dans le bateau lui-même, mais il y avait le chapeau de pirate que j'ai récupéré, puis des belles banderoles de pirate que j'ai mis pour décorer ma base. Je suis pas joli. Vous êtes jaloux, je sais que vous êtes jaloux, là, mais écoutez, c'est la vie. Moi, j'ai des drapeaux avec des crânes, puis pas vous autres. Hein? C'est ça. OK. Aujourd'hui, on va commencer par ça. Je vais juste vous montrer des petites modifications que j'ai faites au système. Je n'ai pas fait beaucoup. C'est plus j'ai automatisé le système qui arrête quand la pile ici est pleine. Le système y arrête de produire de l'huile. C'est inutile de produire de l'huile. Aussi, j'ai fait un système pour contrôler les arrêts imprévus et redémarrer le système. Parce qu'ici, j'avais le problème quand il était en... S'il arrêtait, mettons, comme là, il y a du rouge dedans, de l'huile cristallisée. Quand il arrêtait là, parce que lui, il envoyait une impulsion pour dire de le ramasser. Non, lui, il ramasse automatiquement. Puis, il ramasse tout automatiquement. Non, il ramasse pas automatiquement. Il atteint une impulsion. Cette impulsion vient de lui ici qui détecte que l'huile cristallisée. Fait qu'il y en a une impulsion. Mais s'il manque son coup pour une raison, mettons, lui, il est plein, fait qu'il peut pas ramasser. L'huile cristallisée reste là. Puis, il ne reçoit pas d'autres impulsions pour lui dire de ramasser l'huile qui est là. Fait qu'il arrête de fonctionner. Fait que là, j'ai fait un système qui lit, comme lui, il envoie son signal ici à cette lampe-là pour dire il y a de l'huile cristallisée. Ça veut dire quand elle est allumée, qu'il y a de l'huile cristallisée dans le système. Puis si elle reste allumée, ben on sait que l'autre, il ne ramasse pas parce qu'elle s'éteindrait, parce qu'il n'y aurait plus d'huile cristallisée. Fait que ça, quand ça arrive, j'ai mis un bouton qui envoie un signal à lui pour lui dire de ramasser l'huile cristallisée, puis ça redémarre le système. Même chose, celle-là est connectée sur... sur lui ici. Hey, ça, c'est pas pratique. Ce qui est pratique pour travailler là-dedans, dans les petits raccoins, c'est cette belle petite baguette-là. L'autre que je viens de vous montrer est connecté sur lui. Puis lui, il détecte s'il y a de l'huile normale dedans. S'il y a de l'huile normale dedans, puis ça reste là, c'est parce que la graine qui tombe de là, pour une raison ou pour une autre, a pas tombé dans le système, a pas tombé dans l'huile pour la cristalliser. Soit que j'étais trop proche avec ma bague qui ramasse tout à distance, puis j'ai ramassé la graine au lieu qu'elle tombe là. Fait que là, lui, il reçoit pas d'impulsion pour faire tomber une autre graine. Fait que le système est pris dans cet état-là. Fait que là, ici, j'ai un même système. Si je vois que cette lumière-là est allumée, non celle-là, je sais que c'est là où j'appuie sur ce bouton-là, puis ça fait dropper une graine automatiquement. C'est connecté sur ça, puis ça redémarre le système. Mais là, le système est arrêté parce que quand cette lumière-là est allumée, c'est parce que la pile est pleine et ça arrête le système automatiquement. Yeah. Puis j'ai utilisé, c'est très pratique, j'ai utilisé Ender.io, les conduits Redstone avec différentes couleurs, différents channels. Je ne vais pas vous expliquer tout comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses. Un petit peu, j'ai utilisé des Super Circuit Maker. J'ai utilisé les différentes couleurs, comme vous voyez, vert, brun, bleu, mauve, cyan, rose. C'est tout connecté sur des systèmes-là. Ben, ce qui est connecté sur les lampes, c'est pour lire les signaux, bien entendu. Puis ce qui est connecté sur les boutons. Ah, la pile était descendue, le système s'est démarré. Puis aussi, j'ai mis une affaire justement pour arrêter ça. J'ai mis un comparateur qui envoie un signal. Quand il y a assez de graines ici, ça envoie un signal redstone jusqu'à lui, puis ça l'arrête. Justement pour pas qu'il produise trop de graines, pour qu'il arrête de vendre ça. Parce qu'avant, Il arrêtait pas. Ça se remplissait. Puis là, une fois que ça s'était plein, les graines tombaient là puis restaient là parce qu'il y avait plus de place où aller. Mais là, il produit des graines au besoin. C'est à peu près... faut voir, je pense. Ah, tu vois, 41, il a démarré. Fait qu'à 41, il détecte qu'il n'y a pas assez de graines puis il fait activer le système pour faire d'autres graines. Fait que c'est ça. Fait que j'ai un beau système automatisé qui fait de l'huile au besoin. La pile est en train de se remplir, il a envoyé de l'huile dans ces affaires-là, puis ça marche à merveille. Là, aujourd'hui, attends un peu, j'ai pas fini, j'ai d'autres affaires que j'ai faites que je vais vous montrer, mais on va coucher un peu. Question d'enlever la nuit et d'enlever la pluie. Hey, ça rime, je suis un poète dans l'âme. Attends un peu, j'ai fait une petite liste. Ok, mon système de Sudgedown. Ah, j'ai fait un sash avec Botania. J'ai fait du Botania, puis là, je vais faire quelque chose aujourd'hui pour Botania, justement, une petite
petits machins et trucs qui vont peut-être vous aider si vous le faites. Où est-ce que je m'en vais? Ah oui, ici. Bubbles, je me souhaite un Sojourner Sash. Ça fait que tu marches un peu plus vite. Oh, shadow. Hein? On va tuer. Là, là. Là, non, cache-toi pas en dessous de l'arbre. Non! Oh! Ok, bon. Ça fait que tu vas plus vite, puis en plus, t'es pas obligé de sauter pour monter les affaires là-même, fait que c'est très intéressant. Je voulais l'essayer, voir si j'allais voler plus vite, puis je pense que je vole un peu plus vite avec ce machin truc-là, mais c'est ça, je voulais l'essayer. Je suis dans mes premiers débuts, mes premiers balbutiements dans Botania, et j'apprends, j'ai fait un système ici qui fait tomber des... je mets du coal là-dedans, puis ça fait tomber du coal dans ces fleurs-là. Ces fleurs-là produisent du mana. Le mana est envoyé dans cette pool-là. Là, il est quasiment plein. Mais c'est très simple comment ça fonctionne. C'est un precise dropper là, qui drop les affaires exactement au milieu. Parce qu'un dropper Minecraft ordinaire, ça drop les affaires partout. Hein. Ça, c'est pas très précis. Ça, c'est précis. Ça drop exactement en dessous. Tu mets un peu de coal là-dedans. Ça, je ne mettrai pas tout. Le timer à toutes les temps il drop une chose. Faut pas qu'il drop trop de coal à la fois parce que ces fleurs là, s'ils sont déjà occupés avec un morceau de coal, ils en ramassent pas d'autres. Fait que si ton coal peut rester à terre et disparaître après 5 minutes si tu n'envoies trop. Fait que lui il envoie juste une bonne petite quantité que il y a toujours une fleur qui est libre qui est prête à l'accepter. Yeah. Puis ces fleurs là, pour ceux qui se demandent, c'est des endo flames, c'est marqué en haut là. C'est ça. Ça prend tout ce qui est combustible, ça le transforme en mana. Yeah. Mais là, aujourd'hui, là, je me suis fait un petit bureau ici. Je vais me faire une machine à pétales. Ça va être une des premières affaires que je vais faire. C'est pas très long, mais je vais faire ça. Puis peut-être que ça peut vous aider si jamais vous en avez besoin. C'est une machine qui va me faire des pétales automatiquement parce que ça me tente pas de courir à travers l'univers pour ramasser des estis de fleurs de Botania. Fait que, en créatif, dans mon monde laboratoire, j'ai fait une machine qui est relativement simple puis qui va produire des pétales en quantité industrielle comme vous voudrez. Fait qu'on va commencer avec ça, mais là, pas tout de suite. Que c'est d'autre que j'ai à vous montrer? Ah, j'ai fait ça aussi. On retourne en dedans, on va ressortir la baguette magique. Je m'en sers beaucoup de la baguette magique, ça va bien. J'ai fait ça ici, on voyait en bas. Et je me suis fait des storages 64K. C'est quand même assez coûteux à faire, mais je commençais à manquer d'espace parce que... J'étais mettre ma quarry dans le Deep Dark, hein. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de minerais dans le Deep Dark. OK, là, ce coffre-là, ça, c'est... J'ai pas fini, je l'ai mis une fois, puis je l'ai laissé rouler sur deux ou trois chunks. Ça, c'est ce qu'elle a ramassé. Elle a fini le fer, Dieu merci, j'ai fini avec le fer. Mais c'est sûr, il faut voir tout ce qui reste. Puis il y en a plein dans le système. Puis c'est ça qui m'a dit, oh, les choses étaient pratiquement toutes pleines. Puis il y a encore des minerais. Puis là, je me disais, oh, tous les minerais que j'ai encore à gérer, ça va tout doubler l'espace. Parce qu'un stack de minerais de cuivre me donne deux stacks de cuivre. Fait que tous les minerais que j'ai là, je savais que ça allait être le double d'espace quand j'aurais fini avec. Fait que je dis, savez-vous quoi? On va augmenter un peu la mise. On va aller sur un tiers plus élevé de ça. Fait que je me suis fait des drives sur les 4K. Pas très compliqué. Je me suis dit, c'est pas quelque chose de bien compliqué que le monde a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Vous construisez un disk drive, cette bidule-là. Très simple à faire. Puis vous mettez des modules dedans. That's all. C'est pas très coûteux à faire. Yep. Je me suis question pour accélérer le processus. Je me suis fait plusieurs soldiers avec des accélérateurs. Peut-être que je m'occupe de ça. Oh, j'ai fait un paquet de silicone. Anyway, je fais ça plus tard. C'est pas important. Parce que je voulais me faire des processeurs amplement en avance. Pour pouvoir faire d'autres modules. Là, j'en ai fait 4. Je voudrais en faire 4 autres. Yeah! Quoi d'autre? Watermill. Ces beaux petits machins trucs-là, ça c'est Extra Utility. Ça fait des Grid Power, l'affaire que je chicanais l'autre fois. Là, on voit en bas le Grid Power. J'en ai 368 à ma disposition. On va s'en servir aujourd'hui de ces Grid Power-là. J'ai fait des Watermill. Je pense que c'est la meilleure solution pour faire des Grid Power. Chaque
chaque face, sans compter le dessus et le dessous, les autres ne font rien, mais les quatre faces tout le tour, latérales ici, peuvent produire jusqu'à 4 grid power. Comment ça fonctionne? Faut qu'il y ait de l'eau qui bouge, qui passe à côté, de l'eau non stagnante, comme un source block, un bloc source ne peut pas produire de grid power, de GP. Fait que ça prend vraiment de l'eau qui coule comme ça. Et ça, c'est un bloc source. Le bloc juste à côté du bloc source produit 4. Après ça, c'est 3, 2, 1. Fait que plus tu es loin de la source initiale, moins que ça produit de power. Fait que le meilleur, c'est d'avoir le premier bloc à côté de la source. Comme dans ce cas-là, j'ai une source là. Fait que le bloc ici, il produit 4. Lui, il produit 4. J'ai un autre bloc source ici qui produit 4. Et qui produit 4. Puis qui fait 4 pour eux autres. Puis 4. Fait que chacun de ces blocs-là ont de l'eau qui produit 4 à côté de leur face. Donc, chacun de ces affaires-là me produit 16 GP qui s'accumulent dans mon système. Fait que là, j'en ai 20 ici qui produit 368 GP. Fait que là, je devrais être bon pour les GP pour un bout, mais c'est une manière très facile de produire des GP. Je sais même vous voulez en faire. Parce que là, aujourd'hui, je vais avoir besoin des Resonators. Je pensais en faire 4. Mais là, j'ai dit autre chose. Ah, Botania. On en parle-tu de Botania? J'en ai parlé un peu. C'est ça, j'ai commencé sur Botania. J'ai fait ça ici. Peut-être vous êtes intrigués. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une Pure Daisy. Dans Botania, c'est une fleur qui te produit. Si tu as besoin de Living Stone ou Living Wood, c'est un bois spécial puis de la pierre spéciale que Botania utilise pour faire différentes recettes. Le truc pour ça, c'est de faire un Pure Daisy, une de ces fleurs-là, puis là, alentour, tu mets de la stone, de la pierre ou du bois, des logs, des bio, puis ça les transforme, après une minute, ça les transforme en Living Stone ou Living Wood. Ça, c'est une machine automatique pour faire ça pour moi, puis il devrait en avoir amplement là-dedans. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Des fois, vous seriez intrigué, puis vous voudriez reproduire ce système. C'est très simple. Très, très simple, vous allez voir. On va juste faire du Living Wood, là. Je pense pas que j'ai du stone. Oui, j'en ai du stone. Mais, peu importe. Oak. Let's go, on s'en va là. Grosso modo, j'ai un scanner. Lui, c'est un auto-breaker. Il brise les blocs. Il atteint une impulsion pour briser le bloc en avant de lui. Puis lui, c'est un auto-placer. Lui, c'est automatique. Il installe des blocs. Et voilà, lui, je l'ai placé pour qu'il lise en avant de lui. Quand il va voir du Living Wood, il va envoyer une impulsion électrique qui va dire lui de briser le bloc. Puis aussitôt que le bloc va se briser, il va avoir un espace vide là. Fait que lui va placer un bio automatiquement et bingo bango, on a un cycle infini de production de bois. Même chose ici pour la pierre. Tu mets de la pierre là-dedans, il met un bloc de pierre, il attend de voir du Living Rock. Quand il voit du Living Rock, impulsion électrique, brise le Living Rock, il ramasse. Et lui, il voit qu'il y a un espace vide, il remet une autre pierre et le cycle se répète. Yeah! Génial! Bingo bango! Bango bango! C'est bingo bango, Chuck! Mêle-toi pas dans tes expressions. C'est ça! Fait que j'ai commencé à jouer avec Botania, puis là, justement, une des premières fois que je veux faire, c'est production de pétales. Mon fun machine, oh, je voulais pas remonter de pétales. Production de pétales automatisée, comme ça, quand je vois que ça va être bon un peu, comme lui, il y en a juste 12, je pourrais juste augmenter la production. Je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais aller chercher les ingrédients, je vais vous payer sur pause, je vais aller chercher les ingrédients, et on va commencer à travailler là-dessus, ok? Ok, je pense que j'ai pas... Saleté. Ils veulent vraiment ma pause. Je suis sûr qu'ils sont organisés. Ils sont plus intelligents qu'on pense, les creepers. Je veux dire, non, sans joke. Hein? Ok, je me ferme d'ailleurs. Il y en a pas d'autres alentour, là. Un zombie, un squelette, je m'en fous. Les creepers, je m'en fous. Moi, il y en a un là-bas. Il va-tu me causer problème? On s'en va à chasse aux creepers. Oh yeah. Oh yeah. La tune que je chantais, Flight of the Bumblebee. Il y a une scène dans un film, ils s'en vont en hélicoptère pour attaquer, puis ils mettent cette chanson-là. Qui de vous autres peut me dire le titre de ce film? Hein? Commentaire en bas. Je suis curieux de voir. C'est un vieux film. Puis par vieux, je veux dire, moi, j'avais 3 ou 4 ans quand ça a sorti, ce film. J'étais jeune moi-même.
Eh ben, un excellent film, excellent film. Ok. Où c'est qu'on installe ça? Je veux pas l'avoir dans les jambes, mais si ça va être mon air de travail un peu. Fait peut-être ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord? Sur le bord de la rivière, ça va être beau, un beau petit coin tranquille. Hein? Comment ça va faire fonctionner? Ça va me prendre de ces machins-là. Hello? 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 Hello la banane? Toutou. Ça va me prendre ces machins-là, des automatic users. Je vais m'éloigner de ça un peu. Des fois que ça prendrait plus d'espace. Je me souviens plus exactement comment je l'avais fait. Je sais juste que ça fonctionnait parce que je l'avais fait en dans mon laboratoire et ça fonctionnait très bien. Donc, je sais que ça fonctionne. Il s'agit juste de le refaire. Laissez-moi penser un instant. Ok. Ça sent le chauffer ici, j'ai pensé fort là. Mais là, j'ai de me souvenir, ça me prend trois affaires comme ça. Je vais en faire une autre tout de suite. Qui va prendre un instant. Parce que c'est très rapide, c'est très simple à faire. User. Mechanical user. Ça nous prend un dispenser, ça nous prend un arc. On prend l'arc, on met ça là-dedans. On fait ça, on clique ici, on fait ça, on clique là. On clique ici, on fait ça de même. On clique là, on fait ça. Il me manque un levier. On s'en vient comme ça. On clique de même. Ça va là, mets ça là. Tic, bingo, bingo, on a un user. Hein? Vous avez rien vu. Là, pour ceux qui ont vu dans mon inventaire, je vais utiliser Super Circuit Maker. J'ai pas eu de problème avec. J'ai pas eu de crash majeur encore avec lui. Malgré que j'ai pas refait l'affaire qui causait le crash, j'y allais très doux avec mon tournevis pour être sûr de viser la bonne place pour pas causer de problème. Mais c'est ça. Ça devrait être correct. Fait que là, on va avoir lui. Il va mettre une pétale à terre. Lui. Ah, oh, c'est pas un user, c'est pas ça que je veux voir, c'est un placer. Oups, j'ai fait un trou de plus que je peux faire. Là, on va activer. J'ai changé des mains. Celle-là, je l'aime plus parce que je peux l'activer ou le désactiver. Je ne suis pas obligé de l'avoir toujours activé comme l'autre. L'autre, je m'en sers parce que je suis pas obligé de la recharger en énergie. Elle, faut que je la recharge parce que ma batterie ne peut pas la recharger. L'autre, elle peut se recharger avec la batterie, fait que c'est plus le fun. Mais celle-là, j'aime ça parce que je peux la désactiver. Le désavantage, il faut que tu la gardes sur ta barre d'espace. Si tu l'enlèves de là, elle ne fonctionne pas. Un placer que j'ai besoin. Un placer. Auto-placer. J'ai pas de ça. On va s'en faire un. C'est un détail. Comme ça. Youpidouda. Alright, on retourne là-bas. Ok. On peut bien le mettre ici. Hein? C'est ça. Fait que lui place la pétale, lui il envoie du bone meal dessus, lui il coupe. Il coupe, il renvoie la pétale là, et ainsi de suite, circule. Wow. Ok, Chuck, prends ton temps, respire par le nez, articule. Des fois je suis excité, je veux parler trop vite, puis je dis trop, j'essaie de dire plusieurs mots en même temps, puis ça marche pas. Hein? Fait que je vais apprendre à... Je pense que je vais commencer à faire ça, je vais pratiquer à ralentir et à parler et articuler les mots comme il faut. Ok, lui il place le pétale. Lui, il met du bone meal, puis lui, il va utiliser les shears, envoyer les affaires là, et le cycle se répète. Fait que ça va me prendre. Lui, je vais le changer de place, parce que je vais mettre le Super Circuit Maker en arrière. Puis je veux pas qu'il y ait interféré avec ça, fait comme ça, je vais avoir de l'espace en arrière ici, pour mettre mon Super Circuit Maker. Qui va aller là, à peu près. Ça va faire le boulot. Lui, parce que là, je veux qu'il y ait une séquence d'événements. Ah, oh, ça va me prendre un timer aussi. Allez, faire un timer. Un timer, hein? On va faire un timer. Timer, comme ça. Je vais-tu avec lui ou je vais avec lui? Je vais peut-être si bien avec lui. Comme ça, je peux le désactiver. Yep, on va se faire un timer comme celle-là. Ici, on sert une horloge, on a besoin d'une horloge, et je devrais être correct. Non, je ne suis pas correct. On va se faire des redstone torches, on va en faire un petit tas comme ça. Et voilà, je devrais peut-être me faire un levier aussi. J'en ai pas, non, c'est ça, j'en ai pas, j'ai besoin de... Un câble, puis un stick. J'ai des sticks en masse, et voilà. On a tout ce qu'il faut, on retourne là-bas.
Comme ça, on va le désactiver au besoin. OK. Là, je suis en train de m'étouffer avec mes salives. C'est génial, je suis un génie. On va avoir besoin de deux comme ça. On va besoin de ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas sortir là. Non. Comme ça. Je veux qu'il sorte sur trois phases différentes. J'aurai trois signaux différents. Grosso modo, ce que ça fait, c'est que le premier signal va aller là automatiquement, instantanément. Il n'y aura pas de délai. Ça va activer lui, qui va mettre une pétale. Après ça, lui va s'activer en deuxième parce qu'il va avoir le délai le plus court entre les deux. Qui va dire « mets du bone meal ». Après ça, lui va s'activer en troisième pour dire « ok, coupe la plante ». Fait que très simple. Fait que Super Circuit Maker est idéal pour ça. Là, c'est là, faut faire attention. Lui, c'est un input. Oups. Lui, c'est un input. Et lui, c'est un input. Toi, c'était un output. 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 Ah, c'est lui qui a... OK, j'ai entendu comme du bois brisé. C'est lui qui a fait du living wood, puis il a ramassé qu'il y en a un autre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Fait que là, on fait un test à 20. Lui, 20 ticks, c'est bon. Lui, je le mettrai à 40 ticks. Qui devrait être parfait pour ce que je veux faire. On va mettre le timer tout de suite. La nuit s'en vient-tu? Non, pas encore. OK. Puis on va mettre le levier ici pour activer, désactiver le timer. Là, on le voit. Ah, je pense que je me suis trompé de bidule. C'est pas des resonators que j'ai besoin. Ouais. Quartz resonator. Ah, je suis plus sûr, là. Je pense que j'ai pas bonne affaire parce qu'il serait pas supposé de battre à la même vitesse. Au pire, je vais aller faire d'autres choses. OK, là, ça marche. Pourquoi, là, avec le timer, ça marchait pas? Ils vont tous à la même vitesse. Étrange. OK, je vais essayer l'autre timer. Dans mon laboratoire, j'ai pris l'autre timer. On va aller faire ça. On va aller voir ce que ça donne. J'ai utilisé ce timer-là. Peut-être qu'il y a une différence. Qui ne gère pas l'autre. Peut-être aussi, je pourrais mettre juste un morceau de redstone entre les deux. C'est étrange, étrange. Toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. OK, lui, ça fonctionne. On a vu que lui, c'est le petit vent en premier, lui en deuxième. OK. Peut-être falloir que j'aille avec lui, mais lui, je pense que je peux pas le désactiver avec... avec un levier. On va l'essayer. Je vais aller me coucher vite fait pour question de... Je me suis ramassé loin, moi. Question de ne pas avoir de creeper qui vient me harceler. Je viens d'en voir un sur ma map qui a spawné l'autre bord là-bas, mais c'est correct. On travaille loin de lui. On devrait être correct. OK, on va essayer le levier. Non. Ah! OK, je vais essayer l'autre. J'aimerais ça vraiment un système pour désactiver. Mais je ne le connecterai pas directement. On va y aller comme ça. On va mettre une petite chose de redstone entre les deux. Non. L'impulsion est peut-être trop rapide. Non, c'est plate ça. Si je prenais l'autre timer... Je peux pas prendre l'autre timer parce qu'il y en a un, celui de Extra Utilities, mais lui, on peut pas ajuster le temps pour les impulsions. Lui, je pourrais mettre... Nos 100, c'est un petit peu trop, mettons... 30? Non, c'était 5, 6. 3, 0. 0. 0. OK, le 0 sur le clavier numérique ne fonctionne pas. Génial. Non, c'est trop... Trop vite. On va mettre ça à 80. Non, c'est vrai, le 0 marche pas ici. OK, ça va être bon pour commencer. Au pire, je l'ajusterai après. Là, on a ça comme ça. On ne veut pas que les signaux se touchent. Je pourrais aller directement. J'étais pour mettre des conduits. Mais je pense que je vais aller directement avec du redstone bien ordinaire. Pas de cassage de tête. Là, j'aimerais ça un beau bloc à mettre là. Quelque chose de décoratif.
Ouais, je suis quoi? Le quoi le plus intéressant ici? Je pourrais prendre ça, ok, mes blocs préférés. Indiquer que c'est une machine, puis que c'est dangereux pour la santé si vous allez là. Parce que là, faut que je fasse ça comme ça parce que. En créatif, ça marchait mieux si je faisais ça comme ça. Lui, faut que je dise, c'est impulsion. Je n'ai pas de. Motherfucker! Faut que je dise. Pas, par, pas toujours fonctionner d'y aller par impulsion. Fait que là, ok. Parfait. On retourne là-bas. Ok. Fait que lui, il va s'activer sur impulsion. Lui, il place. Attends, c'est lui qui place. Fuck! J'ai inversé ça. C'est lui en premier, lui en deuxième, lui en troisième. Bon. On va inverser ça. On va remettre ça sur l'autre sens. Bon. Ça devrait être établi. Lui, il ne se souvient pas de mon temps. On va le descendre à 110. Okay. Oh, j'ai oublié de rechanger lui. Tournevis, tournevis, où es-tu? Tournevis, tu es ici. Comme ça. Là, un. Je pourrais peut-être le faire un petit peu plus ajuster le... Oups. On va ajuster ça pour que ça soit plus rapide, mais je pense, écoute, j'ai pas besoin d'une vitesse exceptionnelle. Vu que c'est automatisé, je peux juste mettre des affaires, m'en aller faire d'autres choses, puis revenir. Fait que là, on va aller se faire des shears, on va aller chercher des shears, des cisailles et du bone meal, puis on va mettre ça là-dedans, puis on va essayer ça. Lui, je suis vraiment triste que je peux pas l'arrêter. Il doit avoir une manière que je peux... Oh, il y a une manière, je peux l'arrêter. Si je mets ça comme ça ici. Ah, lui veut continuer à mettre du beau mio. Ok. Anyways, peu importe. Il m'a pensé à ça. Il m'a trouvé une manière de désactiver ça. On s'en vient ici. On s'en vient chercher Bone. On va pogner un stack de bones. Des bones, j'en ai amplement. J'en ai ici aussi. Tiens, c'est lui, j'ai dit, que je voulais. Tiens. Fait que j'ai besoin d'une pétale pour commencer. Oh, des shears. Oh, j'ai. Faut, j'ai je sais pas. Faut que j'ajuste certaines choses aussi. Fait. Ça, c'est bone meal. Lui, c'est shears. Ça va être. Right click, oui c'est ça. Redstone signal de pas toujours être activé. Je pense que c'est please block use item on block. Je pense que c'est ça. On va l'essayer. On va falloir faire des ajustements, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Lui ça va être le bone meal. Comme ça, on va faire du bone meal. Hein. Ça va le mieux. Ça va le mieux. Comme ça, et ouais. Toi, je pense que j'ai une. On va essayer que ça comme ça. Fait que là, en théorie, je mets une pétale. Pas sur ma barre, je le mets là. Lui, il va recevoir une impulsion. Il va placer la pétale à terre. Voilà. Le shears l'a ramassé parce que lui, il a pas mis de bone meal. Comment qu'on te fait mettre du bone meal? Comme ça, on voit du gazon apparaître à terre. Non, place block, use item on block. Non. Activate block with item. Non. Bon, j'ai trouvé, enfin, j'avais inversé, c'était right click ici, c'était pas left, c'était right click. Use item on block. Et lui, c'était left click et non right click. Fait que là, si on met une pétale là-dedans, là, je vais en avoir 4. Il place le pétale, bone meal, coupe, et voilà, j'ai ça comme résultat. Là, ça me prend quelque chose, ramasser ça et faire des pétales
et mettre ça là-dedans. Là, je vais avoir besoin d'un. Comment ça s'appelle déjà? C'est du mod. RF Tools. Ah, c'est Crafter. Crafting. Crafter. Crafter. C'est lui, Zizi. Comme ça. J'ai besoin de deux de ces machins trucs-là. Un, deux. J'ai besoin de ça. J'aurai besoin de ça. J'aurai besoin d'énergie aussi. J'avais oublié. On va peut-être prendre des laser relays. Question de pas se casser le poireau. Ça. Et j'ai besoin d'un hopper. Puis je vais prendre cette affaire-là. Perfect. Et j'ai besoin d'un chest, d'un coffre. Là, je vais prendre un de ces coffres-là. J'ai pas besoin de si grand que ça, mais c'est plus beau qu'un coffre ordinaire. Ça, il y a des affaires que j'ai plus besoin. Ça, je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin. Question de faire de la place dans mon inventaire. Surtout, j'ai vraiment pas besoin. Ok, c'est correct pour le moment. J'ai de la place pour travailler. Là, lui, il va être proche. Ça, les pétales, ils vont dans celle-là, hein, c'est ça. Fait que, mettons ici, on met ça comme ça dessus. Est-ce que c'est assez proche pour ramasser les fleurs? Va falloir que j'aille me coucher. Non! Yep. Les fleurs se ramassent là-dedans. Perfecto mundo, je vais aller me coucher. Bien, un bon petit dodo fait du bien. Ok, on a ça là. Fait que lui, il va falloir que... Il achemine les items dans mon truc ici. You. Hello? T'es où? Je l'ai pas fait. What? You, mon crafter? Ok, il est arrivé quelque chose de bizarre. Quand j'étais couché, j'ai comme vu un bloc apparaître. What? Ok, je vais en faire un autre. Je suppose ce qui est passé. Il y a eu comme un petit bug. C'est ça, j'ai perdu mon crafter. Ok, on va en faire un autre. C'est pas grave, c'est pas une fortune. On peut se le permettre. Bon. Ça. Ça. Deux fois. Et ça. Bon. Prise 2. Oups, comme ça. Là, lui, il va falloir qu'il achemine les items là-dedans. Je peux juste mettre ça. Comme ça. On va y dire. Oh là, faut-il falloir que je fasse une recette pour chaque pétale? Là, je pense à ça. Ok, ça va me prendre une fleur. Fait que fais-moi une fleur. Es-tu là-dedans? Ah oui, j'ai une fleur déjà. On va y dire. Cette affaire-là, c'est génial. Un crafter comme ça, il fait des affaires automatiquement. Là, on met ça là. On choisit une place. Fait que on peut mettre deux recettes dans celle-là. T'as différents tiers, 1, 2, 3. Je sais pas combien de recettes qu'on peut mettre. Lui, le 3. On peut mettre jusqu'à 8 recettes. Lui, jusqu'à 4. Puis lui, c'est 2 recettes. 2 recettes simplement. Malgré que je vais peut-être upgrader. Ça va me prendre 2 de même pour faire les 16 fleurs différentes. On va commencer avec une. Puis au pire, entre les épisodes, j'irai faire une mise à jour. Mettre ça un peu plus élevé. Ici, on peut choisir. Souvenir des items là, si je m'en sers un jour, je vous expliquerai à quoi ça sert. Pour le moment, j'en ai pas besoin, ça me tente pas d'expliquer. Externe, interne, ça c'est résultat. Quand il va avoir crafté l'affaire, est-ce qu'il met ici dans le buffer interne pour être réutilisé dans d'autres recettes, ou externe, il met ici où est-ce qu'il y a l'orange pour dire que non, ça va aller à l'externe de ne pas le réutiliser. Moi, je veux que ça aille à l'externe parce que je veux que les pétales sortent et aillent dans le placer. Fait que ça va être ça, mon affaire. Fait que là, lui, il fait des Mystical Grape Petals. Ouais, je pense que pour les pétales, au début, je vais falloir juste que je vienne ici, puis je fais juste changer la recette pour le type de pétales que je veux faire. Dans ce cas-là, ça va être les Grape Petals. Les grises. Alright. Là, ça me prend de l'énergie pour faire fonctionner ça. On va prendre ça. J'ai-tu une source d'énergie en quelque part ici que je pourrais utiliser? Fais un tour dans le mur. Il devrait y avoir quelque chose ici, pas loin. Ah, drette là. Drette là. On va le laisser à l'intérieur. On va faire passer le laser à travers le mur.
Vu qu'il n'y a pas de problème avec ça, lui. Puis là, ça risque d'être trop loin. On va l'essayer. Si c'est pas trop loin, cool. Si c'est trop loin, on va mettre un autre laser entre les deux pour faire le lien. Donc là, on s'en va ici. Bon, j'ai commencé à utiliser plus les lasers que les affaires de Immersive Engineering, les câbles, parce qu'ils me donnent des problèmes. Les câbles, je ne comprends pas. C'est trop loin. OK, on va faire un... Tiens, on va le mettre ici. Ça va être... super joli. Hein? What? Okay. Ah, OK, c'est parce que... OK. OK, ça, ça doit marcher. Non? What? C'est trop loin encore? Fuck! OK, il va falloir que je le mette dans le milieu de la place ici. Au pire, donne-moi non, un peu de bois. Toi, ça va être plus beau que juste mettre un bloc de dirt. Fait que juste ici, qui est après, qui devrait être correct, on met ça sur le dessus, on va mettre un laser. On sort notre petit, ça, on connecte avec lui, ça devrait fonctionner. Yeah, connecté. Et là, ça devrait être proche en masse. Et voilà, on devrait avoir de l'énergie ici. Perfecto mundo, on a de l'énergie, il est fonctionnel. Donc, si on met une fleur grise là-dedans, il devrait automatiquement le transformer en pétale. Right? Yep. Là, il faut juste dire... Toi, tu achètes bien mes affaires là. Il faut que j'y dise aussi de toujours actif. Et toi, tu achètes bien mes affaires ici, tout est bien. Entrée, puis on est toujours actif. Fait que là, si on met une pétale là-dedans, ça devrait commencer le cycle. Ah, il se commence automatiquement, il y avait déjà des pétales dedans, et voilà. L'oursier fleur, il fait des pétales. Ça s'en va automatiquement là-dedans, fait que là, éventuellement, on va avoir des tonnes de pétales. Ça s'accumule vite, hein? Wouhou! On a notre machine à pétales automatique, fait que je vais pouvoir remplir mes coffres de pétales. J'aurais pu me casser avec les pétales, parce que Botania utilise beaucoup de ces pétales-là. Fait que là, problème résolu. Il y a juste les shears ici, éventuellement, qui vont se s'user. Mais c'est pas grave, ça coûte rien, c'est deux morceaux de fer. Yeah! Là, je pense, je vais vous poser sur pause deux secondes, je vais me préparer pour d'autres choses à construire, pour faire ça ici. Je vais tout transformer le coal, le charcoal que j'ai fait, qui sort de ma ferme ici en arrière. Je vais tout les transformer dans ces en red coal comme ça. Red coal, qu'est-ce que c'est? Ça vient du mode Extra Utilities. On met charcoal dans un resonator. Ça prend du temps. Mais là, j'ai en masse de GP, j'ai 368 GP, fait que je peux faire rouler au moins 4 resonators comme ça, je voudrais. Tu mets du charcoal là-dedans, puis ça te donne du red coal. Red coal, ça dure, ça brûle 8 fois plus longtemps. Fait que 1 red coal équivaut à 8 charcoal. Fait que t'as pas mal plus d'énergie. C'est peut-être un petit peu exagéré comme transition, mais hey, c'est de l'énergie gratuite. Fait que tout ce qui sort de ma ferme là, je vais le transformer en red coal. Je ne ferai plus de charcoal, je vais juste faire du red coal. Fait que je vais recevoir du red coal, fait que 8 fois plus d'énergie pour la même, même matière. Puis tout ce que ça me prend, c'est des GP. Des GP, j'en ai en masse grâce à mes water mill. Fait que je vais me préparer, je vais préparer des ingrédients, faire quelques petits machins trucs, puis on va assembler ça ensemble. Je reviens, ce sera pas long. Alright, j'ai certains ingrédients que j'ai besoin. Je dis certains parce que j'ai oublié quelque chose. Là, faut que je m'en vienne ici. Comment je vais arranger ça? Comment je vais arranger ça? Il faut que, quand les items ont fini ici... Là, je les aspire comme ça. J'aimerais ça que tu arrêtes. Stop! Stop! In the name of love. Je vais enlever ça de là pour pas que toutes les affaires viennent sur moi. J'enlève ça, fait que les bûches vont aller automatiquement par là-bas. Lui, il est parfait. Fait que j'ai besoin des resonators qui ont pas besoin d'énergie, eux autres. Fait que peut-être que je devrais les mettre plus comme ça.
Puis lui, je pourrais le remettre là, mais je veux... Je veux pas que le coal aille par là. Fait que... comment que j'avais à manger ça? Est-ce que je peux blacklister... Ok, je pourrais blacklister le coal. Le charcoal. Puis dire d'aller là à la place. Voyons voir comment ça fonctionnerait, ça. J'ai-tu amené des conduits? Non, j'ai pas amené des conduits. Haha, je suis tellement surpris, j'ai oublié quelque chose. Oh my god, c'est impressionnant que j'ai oublié quelque chose. Pas impressionnant, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'étais sûr que je les avais pris. Oups, ma mémoire, hein. Parce que je dis, je vais en avoir besoin, je les ai vus, mais je les ai pas pris. Bon. Ok, là on prend les conduits comme ça. J'ai dit de pas y mettre là. Pour... Ah, j'ai pas dit encore. Ok, ouais, c'est ça. Je vais mettre ça comme ça, au moins que les coals, il y a une place à aller. Ça va être tout des insert. Insert. Mais là, je pourrais insérer et extraire sur la même ligne, dans le fond. Fait que je pourrais juste faire. In out. Et voilà. Là, si je blacklist le coal, la seule place qu'il va avoir, qu'il va pouvoir aller, ça va être par là. Blacklist. Psh. Bingo, bango, lui va se remplir avant tout. Je n'ai mis 4. Les 4 ne fonctionneront probablement pas. Mais, il extrait pas. Ah, il extrait pas automatique. Sur le extract, je veux qu'il soit automatique. Et voilà, perfect. La nuit arrive déjà. C'est toujours la nuit! Asti. Tout comme ça. Tu vas extraire de même. Et extraire comme ça. Fait que là, eux autres vont tout extraire automatiquement. Lui, il fait le coal. Là, c'est du red coal qui s'en va là-bas. On s'en va en dedans. La nuit arrive. De toute façon, on veut pas être dehors pendant la nuit. Même qu'on fait un petit dodo. Là, ça prend une place pour stocker ces affaires-là. J'aurais dû faire la place pour stocker avant de faire la place pour... avant de commencer à les produire. Avez-vous remarqué mon beau plancher? C'est-tu pas génial? J'ai mis des glowstones peinturés. Puis c'est pas mal plus clair, plus propre, plus intéressant. Ça descend-tu? Jesus Christ, y en a... Ok, le Deep Dark, c'est peut-être un petit peu exagéré la quantité de matériel qu'il y a là. Sans blague, 15 minutes, je dirais que ma quarry a fonctionné. Là, j'ai oublié un tiroir avec ça. Hein. Je devrais avoir accès ici à mon système. Je crois que j'en ai déjà un. Non, j'en ai pas. On va en faire un. Ça sera pas long. Je veux un tiroir parce que ça contient beaucoup. Ça va bien. Et ça détruit les surplus. Ça va détruire le surplus. Fait que oui, je vais sûrement détruire éventuellement. Mais ça contient tellement... que ça va prendre beaucoup de temps avant que ça soit plein. Puis quand ça va être plein, le surplus, je vais m'en foutre un petit peu que ça soit détruit. Fait comme ça, on va barrer ça. Ce que j'aime mettre à cette heure aussi, on prend cette clé Quantify Key. Après ça, ça indique la quantité en bas. Le petit chiffre qu'il y a là, c'est génial. Là, on prend ça. Ben, je vais en avoir besoin. J'ai besoin d'un exporter. Non, c'est un storage que j'ai besoin. Fudge! Ah, c'est pas pour ça l'ex... c'est pas d'autre chose l'exporter, Chuck. Come on, Chuck! Get with the program, motherfucker! Là, on s'en vient ici. Toi, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Là, j'avais oublié de faire ces autres, mais ça, c'est ma priorité plus élevée. Comme ça, les affaires vont aller là en premier. Là, on voit, il y en a un. Éventuellement, ça devrait monter. Éventuellement. Un jour à la fois. Pourquoi ça ne monte pas? Je produis encore du red coal là-bas. Oui, j'en prends encore. On le voit se passer.
Il serait supposé aller dans mon chose que j'ai désigné pour ça. T'es encore à 1. Pourquoi les affaires ne vont pas là? J'ai bien mis la priorité à 5. Oh non. Là, ça devrait y aller. Et voilà, c'est parti. Je vais peut-être... Peut-être que je pourrais exporter pour le moment. Je n'avais déjà pris un. Juste pour vider le système, faire sûr que tout s'en va là-dedans. Ah, je checkerai ça plus tard. Pas important. Ça va là. Il y en a peut-être 3-4 qui sont dans les coffres là. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Je m'en fous. Je ferai ça plus tard. Fait que là, ça monte tranquillement, très tranquillement. Mais là, je vois une source d'énergie. Fait que ça, chacun de ces affaires-là équivaut à 8 charbon ou charbon de bois. Yeah! Génial! Là, il faut s'en servir de ces affaires-là. J'ai mis ici mes génératrices. Faudrait que je les connecte sur le système pour avoir une production, bien entendu, d'énergie. Je connecte dessus. Ok, je vais connecter. Parce que là, si je mets mes tuyaux là, il va falloir que je passe mes exporters sur le dessus. Je pourrais peut-être... OK. Ce que je vais faire, on va prendre juste un exporter. On va exporter dans un chest. Puis du chest, on va acheminer les items dans le système. Fait que lui, exporter, comme ça. Je n'ai pas de câble sur moi. On va aller chercher les câbles. Câbles. Et voilà. Merci beaucoup. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, on peut exporter le red coal là-dedans. Mais ce ne sera pas tout de suite. On va installer nos tuyaux avant. Énergie, hein, en premier. Comme ça. Tout le monde est connecté. Parfait. Et on peut connecte l'item. Fait que toi, tu vas extracter en round robin. Round robin qui donne qui va donner un item à chacun. Chacun son tour. Il va mettre un là, un là, un là, un là. Un là, un là. Comme ça, un en arrière de l'autre. Comme ça, toujours, tout est distribué également à tout le monde. Fait que c'est pas juste une machine qui va fonctionner toute seule, c'est toutes les machines qui vont fonctionner chacun leur tour. Alright, son time tract. En intract. Puis en passant intract, ce n'est pas un terme, c'est moi qui déconne. C'est inséré, même en anglais, intract, c'est pas un terme. Là, j'ai-tu du red coal? Donne-moi un peu de red coal. On est rendu à combien? 21, perfect. Fait que si j'ai dit, lui, exporte ça, il devrait mettre les affaires là-dedans qui vont être aspirées automatiquement et envoyées dans les génératrices. Et ça dure 8 fois plus longtemps. Fait que beaucoup, beaucoup d'énergie sur une très longue période. Regardez ça, ça descend. Remaining 97%. 6 minutes 50 secondes pour un morceau de ça. Fait que j'ai multiplié par 8 ma production d'énergie juste avec ces petits resonators là qui fonctionnent à énergie gratuite. Ben, ça m'a pris les water mills, mais une fois qu'ils sont là, il me reste encore. On va aller voir lui. Comment je fais pour voir mon grid power total? Je n'ai 368. Je sais pas combien j'utilise au max. Tous ensemble, mais je m'en fous. Que preuve, 24. Fait que c'est ça. J'ai encore de la place en masse. Je pourrais mettre plein d'autres machines. Yeah! Je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais... Hey, oh my God, il m'a produit tellement d'énergie. Je pense que c'est la méthode à aller. Si je vais faire de... Qu'est-ce que je vais faire avec toute cette énergie-là? On m'a trouvé de quoi faire, inquiétez-vous même pas avec ça. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je l'ai fait en masse. On dirait que c'est pas beaucoup, mais là, j'ai upgradé ma base de beaucoup, puis c'est vraiment génial. Yeah! Fait que c'est ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le Saint-Gemme, commentaires, suggestions en bas, hein, vous savez, tantôt, c'est quoi la question? Ah oui, le film. Le film qui a cette chanson-là, The Flight of the Bumblebee. Puis que c'est des hélicoptères qui attaquent avec cette musique-là qui joue. Ah ouais, je veux savoir si vous savez de quoi je parle. Puis
je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, hop, et abonnez-vous, hein, bien entendu. Fait que c'est ça, on se voit dans le prochain épisode. Bye le monde.